Hey yo les gars, c'est Télium, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau commentaire sur du Black Ops 3 comme d'habitude les gars. Et aujourd'hui une vidéo je pense qui va vous intéresser, donc ça sera pas basé sur le gameplay, je sais pas ce que je vais vous mettre. Ça sera sûrement une triple nucléaire ou un gameplay de ce genre, ça dépendra de la longueur de la vidéo, voilà. Donc je le préciserai quand même dans la description ce que je vous montrerai, mais je ne sais pas ce que ça sera. En tout cas ça sera un gameplay sur Black Ops 3, ça c'est sûr, voilà voilà. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense peut vous intéresser. Si je vais vous donner des petites astuces, bah comment monter sur YouTube un petit peu plus facilement. Je dis pas que ma vidéo, grâce à ça vous allez percer sur YouTube, vous allez devenir... vous allez avoir des millions d'abonnés et tout, non, mais comment avoir une meilleure, un petit peu plus de vues, gagner des abonnés un petit peu plus facilement. Voilà des petits conseils qui peuvent toujours un petit peu vous aider. Donc tout d'abord on va parler du premier truc, le plus important je pense, c'est de faire des vidéos de qualité les gars. Si vous faites des vidéos de mauvaise qualité, qui, bah, par exemple, c'est en 360p, si c'est pas top, si un vraiment commentaire est dégueulasse, bon, je dis pas que le mien est top, enfin, franchement, je commente pas comme le meilleur des commentateurs, mais je me débrouille, on va dire, voilà. Si vous faites des vidéos, comme j'ai dit, avec un mauvais commentaire, une qualité en 360p, en 240p, bah, clairement, les gens, déjà, ils vont avoir moins envie de, bah, de regarder votre vidéo. Après genre faire des petits montages comme certains youtubeurs font avec des petits bruits et tout, c'est toujours sympathique. Personnellement je le fais pas trop parce que je suis pas un expert en montage, mais ça peut être toujours pas mal. Après ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire des vidéos en facecam. Ça peut toujours être pas mal parce que les abonnés, bah ils aiment bien ce genre de vidéo là. Personnellement aussi moi j'aime bien, donc ça, bah des vidéos en facecam c'est toujours cool de voir son youtubeur qui met sa cam sur sa vidéo, c'est toujours pas mal. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de bah, vos vidéos. Enfin franchement faites les vidéos les mieux possibles, c'est toujours le mieux possible que des vidéos de mauvaise qualité, ça clairement, voilà. Ensuite, bah, je vous conseille de mettre des miniatures sur vos vidéos, c'est très important les gars. Quand tu, par exemple, quand tu es dans tes abonnements sur YouTube, tu regardes un peu ce que tu vas regarder, tu dis qu'est-ce que je vais regarder. Si tu vois des vidéos avec des bonnes miniatures, bah tu vas avoir envie plus de cliquer dessus que de voir une vidéo où tu vois juste, enfin, il n'y a pas de miniature, tu vois, enfin, les miniatures de base de YouTube, c'est-à-dire à peu près bah, le gameplay, enfin voilà, bref, c'est pas très intéressant. Des petites miniatures sans être provocatrices et tout, c'est toujours sympathique du moment qu'elles sont belles et tout, bah ça donne toujours un petit peu plus envie de cliquer, voilà. Après ensuite mettez des bons titres les gars, je vous conseille de bien préciser votre vidéo dans le titre, c'est pas genre de mettre des titres putaclic, ça personnellement je déteste les gens qui font ça, c'est vraiment un peu dégueulasse de faire ça, mais bon bref, mettez des bons titres bien, enfin assez longs, enfin comment dire, détaillez bien votre vidéo dans votre titre sans en dire trop, voilà, mais des bons titres ça force toujours les gens bah, à regarder votre vidéo. Tu peux genre bah tes vues peuvent carrément varier de ça, enfin, en fonction de du titre quoi, genre par exemple une vidéo tu mets vraiment un titre de merde, tu taperas par exemple 250 vues, et si tu vraiment tu mets un bon titre qui donne bien envie de regarder la vidéo, bah genre tu pourrais faire un petit peu plus de vues et c'est toujours pas mal, donc voilà. Après je vous conseille de fidéliser votre bah, votre audience les gars, c'est toujours sympathique de répondre à tous ces commentaires. Les personnellement moi j'aime bien quand je regarde une vidéo, je mets un petit commentaire, voilà. Et puis j'aime bien quand bah, le youtubeur répond aux commentaires et tout, c'est toujours cool les gars, ça peut fidéliser votre audience et puis c'est bah, c'est toujours pas mal, ça comme j'ai dit ça fidélise votre audience, et puis celui à qui t'as répondu aux commentaires bah t'auras plus de chances qu'il repasse sur tes vidéos, comme au final il va bien aimer que tu lui répondes et tout, bah c'est toujours cool, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Personnellement, je pratique un petit peu ça, c'est un petit peu... Bah, ça peut toujours aider sur YouTube, voilà. C'est être actif sur les vidéos des gens, genre tu leur lâches des petits commentaires et tout. Par un moment, t'en as certains qui vont aller te... qui vont regarder tes vidéos, ça peut toujours les intéresser. Mettez des petits commentaires genre sympathiques, des petites blagues et tout, par un moment. Genre ça buzz, enfin genre, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de likes sur ta vidéo, sur le petit commentaire que t'as mis. Personnellement, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'ai lâché un petit commentaire troll sur une vidéo de ZKIRI60. 18, voilà, j'ai eu à peu près 200 likes sur le commentaire, ce qui m'a ramené genre une trentaine, 30-35 abonnés sur ma chaîne, et puis voilà, c'est toujours cool de gagner des abonnés un petit peu gratuitement comme ça. Donc voilà, je vous conseille d'être actif sur les chaînes des autres, mettez des petits commentaires trolls qui sont susceptibles bah, d'être likés par les gens, ça ramène toujours un petit peu d'abonnés, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est aussi d'être actif, les gars, mettez pas une vidéo tous les deux mois, clairement vous allez pas avoir une audience qui va être...
très, comment dire, très fidèles à vous. S'ils voient que vous n'êtes pas actif sur YouTube, les gens vont pas forcément aimer regarder tout le temps vos vidéos. Voilà, je vous conseille de faire au moins 2 vidéos par semaine, ça c'est toujours cool. Au moins les gens vont devenir, comment dire, ils vont avoir l'habitude de regarder vos vidéos. Même limite, mettez un planning de vidéos, au moins les gens savent quand vous en sortez une et puis ça les fidélise, comme je l'ai dit. Donc voilà, ça peut permettre d'avoir des abonnés plus actifs et c'est toujours cool. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout les gars, y a pas de secret sur YouTube. Si tu fais des vidéos bien, tu vas monter. Si tu fais des mauvaises vidéos, tu vas bider clairement. Mais il y a toujours des petites astuces comme je vous ai dit qui peuvent permettre de un petit peu inverser la tendance, de monter un petit peu plus. Et puis c'est toujours cool, donc voilà. Donc sur ce, c'était Telium, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude les gars. Allez, ciao les gars. From beneath us.